bien sûr, chimio-curithérapie. Résultat à long terme d'un traitement conservateur par tumorectomie, curage axillaire et radiothérapie. Cette femme a un recul de pratiquement 18 ans à l'heure actuelle. Elle vient toujours à la consultation. C'est une femme qui a donc une énorme tumeur du sein. Mastite carcinomateuse, ça ne s'opère pas. Dans le contraire, on continue à voir des femmes avec une mastite carcinomateuse opérées d'emblée. Et ça, c'est la mort à coup sûr. Parce qu'elle va faire une lymphangite cutanée. Les métastases vont apparaître rapidement. C'est une indication de chimiothérapie première. Et même dans ces conditions, quand on va les opérer, à l'heure actuelle, voilà le résultat d'une mastite opérée tout de suite. Plein de nodules de perméation, et il n'y a plus de solution médicale. Récidive après radiothérapie, après pâté. Donc le problème ne se situe pas au niveau de l'acte chirurgical. Il dépend de la qualité, la qualité de ce geste. Récidive après pâté. Mais là, ces patientes ont eu des biopsies fragmentées dans un premier temps. Et on a touché la tumeur avec le bistouri. C'est ça qui provoque ce genre de lésion. Pour éviter cela, il faut que le chirurgien ne voit pas la tumeur. Voilà des cas de patientes traitées. Voilà une tumeur localement évoluée. Pas de chirurgie tout de suite. Traitement néo-adjuvant par chimio. Actuellement, radiothérapie et chirurgie après la radiothérapie. Et le chirurgien peut faire la reconstruction immédiatement après radiothérapie. Ce qui c'est qui empêche le chirurgien de faire la reconstruction du sein, c'est la radiothérapie post-opératoire. Avec n'importe quelle technique, cette radiothérapie est délétère. Elle va provoquer des lésions au niveau du sein. Là, souvent, les prothèses tombent, elles donnent des coquilles. Et ça crée des problèmes. Avec cette méthode qui date maintenant de 5 ans, cette femme peut bénéficier d'un traitement conservateur avec les mêmes chances de succès. Voilà, biopsie fragmentée. Traitement conservateur, mais il faut refaire le sein. Nos compatriotes n'est pas qu'on le refasse le sein contralatéral. Une fois qu'elles sont comme ça, elles se sentent tranquilles. Voilà, des nodules de perméation, biopsie également fragmentée, avant traitement. Les résipels. Les résipels après radiothérapie. Vous voyez que le champ de la radiothérapie est dessiné par les résipels. Ce sont des femmes qui vont même le gommage, avec le machin, le tissu un peu comme du papier de verre. Vous voyez, le kiss. Vous voyez, chaîne mammaire interne, la paroi, susclave. Donc les dames qui sont irradiées ne doivent pas aller même avec tout le monde. Elles attrapent des infections et pas de gommage au niveau du champ irradié. Et le plus grave, c'est pour les ORL. Les ORL, les cavum, les larynx opérés, quand ils vont le hammam et quand on leur frotte le visage, ils font des érysipèles, des infections du cou et de la face, parfois mortelles. Dans le rôle de l'infirmier, pas de hammam après radiothérapie. Voilà, donc cette femme qui a récidivé, elle a été reprise chirurgicalement avec un lombo. Maladie de Paget du mamelon. Je passe rapidement pour aller à l'évolution des idées et des pratiques depuis. Et cette photo, je la dois à mon ami Bnidar. Et la suivante aussi, c'était une sorte de guillotine avec laquelle on faisait les mastectomies à 3000 ans avant Jésus-Christ. En fait, cette femme a une histoire, elle n'avait pas de cancer du sein, c'est quelqu'un qui voulait l'épouser. Elle lui a dit qu'elle allait regagner le couvent. Et pour qu'elle n'épouse plus personne d'autre, il lui a coupé les deux seins. Il lui a fait couper les deux seins avec cette guillotine. Voilà comment on coupait les seins à l'époque. Les grandes interventions. On enlevait même les côtes, on enlevait la ponévrose, les ganglions. Mais le cancer du sein continue à tuer parce que c'est une maladie systémique, ça donne des métastases. Des nouvelles mammographies numérisées, ça s'appelle de la tomosynthèse, où on peut découvrir des petites tumeurs. Cette tumeur mesure 4 mm. Donc le pronostic d'une tumeur de 4 mm n'est pas le même que celui de 3, 4, 5 cm. Une mammographie normale, on ne verrait jamais cette lésion. Il y a deux appareils actuellement de tomosynthèse à Casablanca. À Rabat, je pense qu'il y en aura un. Et il suffit qu'il y ait un
dans chaque grande ville du Maroc ou dans chaque centre, et on résoudra pas mal de problèmes pour voir ce genre de lésions. La tomosynthèse sert également à faire les mammographies de contrôle chez les patientes qui ont eu un traitement conservateur pour leur contrôle. Une femme qui a eu un traitement conservateur et radiothérapie, à l'heure actuelle, les mammographies que nous avons sont de très, très, très mauvaise qualité. Vraiment, elles ne valent rien du tout. Moi, j'évite de les demander, mais depuis qu'on a la tomosynthèse, c'est la mammographie en 3D. Voilà, vous voyez ces images nettes, vous voyez la peau, les vaisseaux, tout ça. Salut. À l'heure actuelle, microbiopsie avant tout acte chirurgical. En France, 2010, 2011, 2012, aucune femme qui a un nodule du sein n'a été opérée d'emblée. Microbiopsie. On a les récepteurs hormonaux, on a les facteurs pronostiques. On discute avec la patiente. Voilà ce que vous avez, madame, avant qu'elle ne sorte du bloc sans sein. Et ça, c'est très important, surtout psychologique. Pour revenir au ganglion sentinelle, curage axillaire, c'est des résipèles, c'est des lymphedèmes. Le ganglion sentinelle, c'est l'injection d'un produit. Au départ, c'était le bleu qu'on injectait au niveau du mamelon, de l'aréole, et on détectait le ganglion bleu. Aujourd'hui, il y a une méthode combinée, bleu plus technetium avec un colloïde. Et ça nécessite un appareil et une sonde compteur Geiger pour détecter le ganglion. Ganglion négatif, on arrête les dégâts. Pas de curage. Une femme qui n'a pas de curage, elle garde un bras normal, une activité normale. Et dans nos contrées, vous savez que les femmes, nous, on traite des ouvrières, des femmes qui ont besoin de leurs mains pour travailler. Une femme qui a de l'lymphœdème, que vous avez vu tout à l'heure, elle se retrouve au chômage, elle ne peut même plus travailler à la maison, elle ne peut plus éplucher les légumes, elle ne peut plus faire de cuisine. Donc si on arrive à faire bénéficier les femmes qui ont besoin de ce ganglion sentinelle, de cette technique, ce n'est pas un surcoût. Au contraire, pour traiter un lymphœdème, un érysipèle, ça coûte très cher. Il y a des femmes qui peuvent dépenser jusqu'à 50 000 dirhams par an pour traiter le lymphœdème du bras. Les statistiques de survie sont les mêmes. Qu'il y ait curage ou pas, à condition que ce ganglion sentinelle soit négatif. Deuxième chose importante, même en cas de micrométastase, dans ce ganglion, on ne fait pas de curage. La survie est la même. C'est sur des séries américaines de 10 000, 15 000 patientes. Ça a été prouvé. L'une des dernières, c'est 3887 patientes avec un ganglion sentinelle. Vous voyez que la survie est la même, 95%. Bon, je passe la radiothérapie et si vous me donnez 2 minutes encore. Ouh là là, Et c'est aux infirmières de parler aux femmes avant la chirurgie pour leur dire qu'il n'y a pas que le pâté ou la stète et qu'il y a d'autres méthodes et qu'on peut leur conserver leur sein avec les mêmes chances de survie. Donc, ganglion sentinelle fait à Casablanca. On a une série au centre Kindi actuellement de 300 femmes qui ont bénéficié de cette technique. Cette femme a été injectée la veille par le produit radioactif. Maintenant, c'est le bleu. Au niveau de l'aréole, je vais avancer parce que l'injection, ça. Voilà, la sonde pour détecter avant l'incision le ganglion. Voilà, il a trouvé l'endroit. Vous entendez chouïa le bruit de la sonde? Le son bactérien. Bon, on va passer la dissection. Ça sert à rien. Oula, je suis blessé.
Donc là, il cherche toujours le ganglion coloré en bleu et en même temps, il doit émettre d'une radioactivité. Là, c'est une veine. C'est une veine colorée en bleu et non pas le ganglion. Voilà, il y est. Et c'est une toute petite cicatrice d'un centimètre et demi, sans aucune conséquence sur la physiologie du bras. Ah ouais, le ganglion bleu. Parce que le bleu ne suffit pas. Souvent, le ganglion est profond. Et c'est cette sonde qui permet de le trouver. Voilà. On voit le ganglion bleu et un peu de graisse. Ce ganglion était négatif et la dame n'a pas eu de curage. Faites profiter les patientes que vous connaissez, si jamais elles ont un nodule du sein, de ces nouvelles technologies, elles auront une vie confortable, une qualité de vie extra. Je vous remercie de votre attention.